Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et toi tu as pas si moi si non voyez pas si non voyez ni mon commande quoi là on teka alors teka biloko ya mboka ya fresh ya bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour mon kanja isali barubi njomo ya ali en kuba pani wa barubi njenje isali ta komba kanja ya kwe mboto ya mbise za barubi nyamba ya mbotu ya mbomo so isaga ne kala ngando nenga lali na basi oye dike na sutu eza kodia na peti kwa mama mbande ya soro kwa bato komprande te mawa bako mwore uwa lonu uwa lonu kona kodia na pino moko bako ane ragino kodia na apeti chongo na yo Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info. Parlons aujourd'hui de la vie à bateau. Lolenge ni bateau ba kubika. Na Kinshasa, na Congo et puis partout place bandeko na biso bazali. Bandeko na zo bisa bino vérité moko boye. Soko ba ebitio Kinshasa ndenge ezali ko vivre. En fait RDC ndenge bato bali ko vivre o ko imaginer te. Vous ne pouvez pas imaginer parce que nous avons une république qui noisisait. Une république qui ne respire qu'à la Kinshasa. Où il y a les semblants de vie. Qu'à la Kin. Si on a dit Mboka na biso Congo, dans son ensemble, tu peux tout simplement constater que l'État n'existe pas. Il y a une faille monumentale. Il y a gouvernance, il y a identité, et puis dans ma Kambounion, sur les alliés autour, il y a Mboka. Mes frères, savez-vous que Mboka logo la RDC ezali na plusieurs territoires, plusieurs chefferies, plusieurs localités. Oyo sokozui na carte, na terrain. Et dans ndenge mon côté, c'est des révélations. Peut-être que vous ne le saviez pas avant, mais moi je vous le dis. Il y a na Mboka na RDC soko saleli carte au Kubunga. Tu vas te perdre parce qu'il y a certains villages qui n'ont jamais été répertoriés. Dans l'état d'Abiso Congolais, les alliés. On a pris dans la carte, oui, carte, dans le géographique, yango. Au côté de la place, par exemple, il y a un Mbenzeni. Parce que Bimbo, il y a un Mbenzeni. Ok, il y a un côté de Mbenzeni. On a pris dans la carte, dans le monde, Mbenzeni, voisin, yango, et là, par exemple, Mpangani. Pour on a pris dans la place, Mpangani, il y a place, Mbenzeni, il y a quatre villages à Kaboli, bango. Mais qui n'ont jamais été identifiés. Non pas dans la carte holistique. Non, mais dans la carte sectorielle, il y a place où on a. Parce que c'est vrai, dans le cadre de la carte holistique, il y a Mounen et Mboka, il y a de ces petits villages qu'on ne trouve peut-être pas. Mais lorsque vous allez, par exemple, dans la carte, il y a province, ne pas trouver un village, c'est extrêmement bizarre. Mais nous, on a ça comme ça. En fait, le pays n'existe pas, mais l'État n'existe pas, mais on fait semblant de vivre. On fait semblant de ne pas voir ces choses-là. Il y a de ces coins au Congo. Puis le long, maintenant, on a photo à Joseph Kabila, président de la République, et puis il y a l'état-major, pas au général, l'état-major, Ezali. Il y a de ces coins où, autre côté, il y a un bandoundou, un itoma, un katikouna. Vous risquez de trouver des endroits où l'État n'a jamais été là, où les gens continuent encore à régler leurs conflits sous les manguiers. Tu es là, tu es là, tu es chef du village, tu es là, Saksi Bango, a dit qu'on régler le problème. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien.
Mais vous dites que non, on est dans un état. Non, ce pays a été détruit, déconfiguré. Mais bon, les gens sont encore dans, ouais, dans les vapes et tout, on ne comprend pas. Mais quand on regarde de, mais Ndeko, ngala otu kende, injolo. Injolo 1, injolo 2, injolo 3, injolo 4. Mais Ndeko, s'il vous plaît, ce n'est pas des villages. Ça, ce n'est pas des villages. Injolo 1, injolo 2, injolo 3. Mais il n'y a pas de vie, vie exacte. Il n'y a pas de vie. Ça veut dire, littéralement, vous posez la question, mais bateaux vont vivre dans un modèle Nini. Comment font-ils pour vivre? Des gens abandonnés. Ça veut dire, au côté de mon village, on m'a dépouillé, au côté de quitter, non, mais mieux, mon policier était. Mais tu te poses la question, ce qui est différent, mon conflit, comment ça se passe? Rien. C'est ça le Congo maintenant. Alors, quand on vous dit que ce pays ne peut pas être construit en 5 ans, les gens pensent qu'on est en train de jouer, on est en train de blaguer. Mais ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. Parce que les gens ont entretenu le retard. Le cardinal Mosengo avait raison. Cardinal Mosengo avait raison de traiter tous ces gens de médiocres. Il n'y a pas un autre mot plus doux que celui-là. C'était effectivement des médiocres. Et ça continue à l'être. Ça reste des médiocres. On ne peut pas comprendre que une ville comme la ville de l'Équateur est dans la banzété, est dans la liane sauvage, est dans le café, est dans le cacao, est dans la canne à sucre, est dans le bambou, est dans l'argile, est dans la potentialité énorme que je ne saurais pas vous citer, est dans la misi yandenge, yandenge plus de 400 et quelques espèces reconnues. Et dans la densité à Maï, il y a Kosakarate, et dans la pratiquement 121 rapides, mais que ce pays, que ce coin du pays reste comme ça. Et vous, vous me dites, non, on a des gens qui comprennent les choses. Mais non! Mes frères, ce pays est mal comme ça. N'Équateur, Baba, Ezate, n'avait pas besoin de soleil Injolo, n'avait pas besoin de soleil Iboko, n'avait pas besoin de soleil Abikoro. Les bancs, il n'y a pas de bancs. Alors que Batoura va témoigner comment on a négé les étés dans mon réseau Katana et donc on a négé la maille, tiens comment on a Kinshasa et vu prendre la matadi et Kéi et comme il poto. 5 mois après, Batina Libino ba meuble, Bosombiango. Est-ce que Bozoye Bakke, Naba administration en Congo, va place Moussou Kiti Ezate? Kiti Ezate, tabouré, ne Moutouzali. Un tronc d'arbre, Bakati, Batché, tabouré, Moutouzali. Mais c'est le pays, l'un des pays producteurs du bois. Mais pourquoi le paradoxe hein? Ce paradoxe a été entretenu pourquoi? Parce que un groupe yabato bazoki qui mis sur l'état ba sakani nango ndeko. Si on vous dit comment ces gens se sont enrichis dans ce pays au truc la monopolele ce que mis sur ngeni ni bato ba sakani na mbongo ou quoi, imaginez même pas. Il y a un moment où bato bengi ba lui to kita na marche ou bato belé ba kita na nzela parce que à un moment donné les gens en ont assez. Yo zala ki mutu pamba na mboka oyo. Locataire. Kapo komi ministre. Ou komi premier ministre. Ou aligné bandako. On appelle la sonité. Donc les gens n'ont pas honte dans ce pays. Ils ont des maisons sur fond du vol. Sur fond de l'escroquerie. Sur fond du détournement. Mais ces gens ne s'indignent pas. Et on les prend pour des modèles. Et quand ils veulent donner des leçons, ils sont libres de donner même des leçons. À certaines personnes dans ce pays, on devrait les contraindre à se taire. Ils devraient se taire. Mais bango ne bango cannabis. Ce sont eux qui prétendent encore avoir des postes lobby. C'est pourquoi ces gens-là ne jurent que dans le dialogue. Ils ne jurent que dans le dialogue. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de ça. Profession ministre honoraire. Profession naïangwana. Ministre honoraire. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ne pourront rien produire. Maintenant, ils ont comme sous des inaptes intellectuels. Quand on dit inaptes intellectuels, ce n'est pas une insulte. C'est un qualificatif qui pense que Batoba Kokakate. Ils ne sont pas en train de Kokoka. Mais Batoba Lande Bazo gouverner Mbok. Est-ce que vous imaginez le commandant de l'ONU? Bisso na Équateur, Toza na Cacao. Na bandundu tout ça l'espace pour sakanaté. Nous avons, on peut produire le manioc dans le bandundu. Il y a un plateau de bateke qui n'est pas très loin, mais qui n'est pas suffisamment exploité.
à l'Équateur, à Goma, à Kivu, on produit la viande, on peut produire la viande. On peut produire le fromage et le lait. Mais vous avez vos enfants qui meurent à Kouach, qui meurent de Kouachokor. Mais toi, bateau, toi, Banyam. Excusez-moi de vous le dire, mais est-ce que sommes-nous des hommes vraiment? Sommes-nous des hommes? À partir de quel moment le Pakistan ne compte pas des enfants malnutris et belés, hein? Et belés, le Colabisso. Comment le Maroc, qui est pratiquement dans le désert, avec compté Banaya Kouachokorte, Ming, le Colabisso, nous qui vivons dans l'eau, nous vivons dans la terre arable, Sakanate, pratiquement 80%. Mais nos enfants sont de Kouachokor. Comment vous alliez ces choses? Comment vous arrivez à considérer Babylone comme modèle? N'est-ce pas l'Égypte? N'est-ce pas l'Israël? N'est-ce pas le Maroc? N'est-ce pas le pays où il y a un désert, le pays à Sahara? Et il y a un désert. Comment vous imaginez que Babylone est parmi les malnutris? Mais Babylone est dans la richesse, il y a Mabélé. Il y a un désert à ta mon côté. Nous, chez nous, il n'y a pas de terre infertile. Toutes nos terres sont fertiles. Là où les terres sont infertiles, il y a des mines. Mais vous avez quand même pratiquement 6 millions d'enfants qui vivent dans la malnutrition. 11 millions de Congolais qui n'ont pas d'abri. Est-ce que vous comprenez ça vraiment? Tant que vous avez un modèle, vous avez un modèle qui est le coin de Kaba. Vous avez un modèle qui est le coin de Kaba. Vous avez 5 ans, 6 ans, vous avez un modèle. Nous avons 4 ans, quelques temps après, nous étions beaucoup plus tukuna. Nous avons un modèle. Nous avons un modèle. Mais bateau, vu Mbongo, il y a un salaire qui s'abat. Il y a une maison préfabriquée. Il y a un pays qui est Libanais. Libanais, qui sont bien en Turquie. Pour le pays qui est Congolais. Est-ce que tout ça est bateau, Penza? Vous avez le bois ici. Il y a une bêtise. Lorsqu'ils vont acheter les maisons préfabriquées, ils vont acheter quoi? Mabaya. Mabaya dans la sombre wapi. Mabaya dans la banzete ou tiens pas la bino. C'est-à-dire vos arbres ont fait le tour du monde et ils arrivent dans un coin, on découpe ces arbres, on en fait des planches, ils en font des maisons préfabriquées. Vous venez, vous achetez les dérivés. Or, vous avez des arbres chez vous. Donc, il vous a simplement manqué une intelligence. Il y a quoi donc transformer banzete nabino na mabaya, mabaya nabino na bandako. Bato va vendre à Goma, le roi Bisso, tu as dit qu'à Goma il y a beaucoup de maisons en bois. Il y a mabaya, bandako belé za bandako mabaya. Na birere wana et des belles constructions. N'habite ceux qui après les volcans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi j'ai quitté Goma en 96 et je ne suis rentré qu'en 2019, je crois quelque chose comme ça. Quand je suis allé à Beni, j'étais même en train de rouler gagaka. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Mais il y avait des ndaku, il y a mabaya. Des belles constructions. Pourquoi ne pas avoir nous-mêmes, Bilo Kolabiso? Ah, bonjour, Bilo Kolabiso, un Libanais. Un Libanais, bon, et puis lui, il va aller donner ce marché aux Turcs. Et entre-temps, qui perd? C'est nous qui perdons. Qu'est-ce qui manque? Regardez. Tout ça, usine, il y a mabaya dans Maloukoua. Usine moka ma baya na malou. Donc, boutique usine ma baya na malou. Vous n'êtes pas capable d'en créer une autre, mais vous allez loin demander à un Chinois, un Libanais ou je ne sais pas moi qui, de vous importer cela. Comme si nous au Congo, on ne peut pas le faire. Mais dans ce modèle, on a un sensé bango. Babengi bango peut être un prêtre. Babengi bango peut être un grand prêtre. Est-ce que vous imaginez un peu une fois, dans ma modèle, on a un katanga. Le katanga, j'y étais. J'ai diffusé ma vidéo où il y a risqué à ma casse. Lubumbashi, mais c'est dans le noir, cette province, cette ville-là. Mais ce n'est pas une ville qu'on nous a vendue. On nous a vendu du vent. J'ai vu dans Lubumbashi, Babalabala et Amabe. J'ai vu dans Lubumbashi, Bateau avant souffrir. Dans Lubumbashi, dans mon Iban, il y a une classe, il y a une. Nous avons payé les études pour ces enfants-là. Et les cas de ma vidéo, Bomona. Vous avez vu des écoles dans le Lubumbashi qui n'ont pas de bancs. Bomona qui bino mon place au mi, ma entreprise minière, ma verre au bois, ma salité dans Bango, na rivière. Et ben, nous avons vivre dans la rivière, on a dans l'accès, image, on a titre, on a qui les larmes du Katanga. Quand on a internet, comment les larmes du Katanga, au Rumon, on a une image, on a battu, mis ce commis rouge. Ma poste, on a un autre.
Parce que l'entreprise minière, ils ont déversé bah immondices, ils ont déversé comment on appelle ça, bah radiation, ils ont mis belé voilà, et bah tout le monde va exploser, bah la classe T. Nous avons vu des enfants de 16 ans qui avaient déjà 3 enfants. Moi, on a 16 ans, avant la mise à tout. Donc, des enfants qui mettent au monde des enfants. Ça se passe au Katanga, à Lubumbashi. Les images sont là. Bon, dites-moi un peu, ton modèle, Luana. Vous me dites que Baba Tupena est un beau gars solo. C'est des gens qui ont bradé nos ressources sans aucune honte, pas de vergogne. Tendeko, il est temps maintenant de dire non, non, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. Bota là, comment les Chinois, les Pakistanais, les... je ne suis pas en train de faire Marine Le Pen, hein? Non, ça l'angoté, il y a une xénophobie, il y a un pragmatisme. Bota là, bande konabi, son n'est pas qu'on vive dans Zando. Regardez, ils vivent, ça là, dans un dépôt pharmaceutique. Ça là, dans un bureau, dans une boutique, il y a un blanc, il y a un... je parle, pas un blanc, je rectifie, pas un blanc, il y a un orientaux. Ça là, Michel, est-ce que vous montrez comment ces gens souffrent? Je suis allé pour la première fois acheter le produit pharmaceutique dans un dépôt pharmaceutique. Ndeko, na moni muninga na congolais. Ngai mutu na ko somba. Na goki ko vanda 30 minutes te wana. Munde ye mokona ni o monsieur wana yo libanais tope indo-pakistanais, ce qui peut nani. Ce monsieur là qui n'a pas d'histoire dans son pays, qui n'a aucune histoire chez lui, il est venu s'enrichir ici avec un masque. Avec un gant peut-être. Mais le Congolais qui travaille en contact avec qui sur là a sans masque, sans gants, sans aucune protection. N'est que 6 mois après, 8 mois après, Abandi qui a accusé de maladie. Ce gars est 2 jours, 3 jours, il y a un Moussala sans indemnité de sortie. Abimi qui a bon, révoqué, il a remplacé le Moutoumouzous. Donc il est obligé, malgré qu'il a mal, à y aller à Bongo. A Moussala, Moussala, exposé dans le médicament. Un médicament contrefait, des médicaments contrefaits qui rentrent dans ce pays. Est-ce que vous imaginez le modèle on a? Nos frères, nos Congolais, victimes chez eux. Et vous me dites non, nous avons géré le pays, on doit gérer le pays. Mais non, ce sont des inégalités que l'actuelle administration doit tout faire pour taire. Parce que ceux qui vont taire Yangote, vous allez copier ça et voilà Tabi non à Poussou. Et que là, Tabino Naposo, c'est impossible de constater qu'un Libanais puisse venir faire la loi ici dans notre pays. Nous devons, nous, avoir une politique révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la politique de la réciprocité. La Chine n'offre pas les mêmes opportunités aux Congolais, là-bas, que le Congo veut offrir là-bas chinois. Pourquoi avoir un deal 50-50? Non. Vous aurez les droits que nous avons chez vous. C'est tout simplement ça. Les États, ça fonctionne comme ça, ça n'a pas d'amis. Valérie Giscard d'Estaing estime que les pays, les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. Et Mobutu estimait que les États avaient une logique et une réciprocité. Nous n'avons pas la sécurité chez vous, vous n'aurez pas la sécurité chez nous. C'est comme ça. Les Congolais n'ont pas les mêmes chances d'opportunités. Il y a affaire et pas la bino. Vous n'aurez pas les mêmes opportunités chez nous. On ne peut pas laisser les Libanais, les Chinois s'enrichir bêtement ici chez nous, en même temps que les Congolais qui sont là-bas n'arrivent pas à s'enrichir. On ne peut pas dire que bah, ils travaillent. Mais c'est les règles qui se trouvent là-bas qui les empêchent de devenir beaucoup plus riches qu'ailleurs dans le Moko. Parce que c'est une menace que les étrangers, le cabinet nationaux, et la menace à Kosakarate. Mais bato ba kamba ki biso na mboka o soki ba ki ba payaye soki ba ki ba tukwa ka ba congolais na ebité ba teka mboka ko teka ba pesa ba indo pakistanais wana nyoso ya malunga biso to tikali ka pamba mutulukola kulutu na ngai ona linga mingi ala siko na États-Unis kulutu franco ntoto ake ko somba nini manioc ne pas encore appelle pondu na Vietnam. A son mi pondou na Vietnam. Parce que, ah, on a Congo, moi, son nom est à un côté, ka pondou, on a na États-Unis. Alors que, biso, tout na pondou, y a ebelepe. Mais le problème, c'est que, ba tracasserie, on a dit, ah, on y est franco, on coûte en anango. Et on a au Libanais, on coûte en anango. Ça veut dire, les Libanais, les Indo-Pakistanais, les expatriés, sont beaucoup plus compris au pays que nous-mêmes, les Congolais.
Bah, compliqué congolais dans ma cargaison naie, dans ma conteneur naie, mais bah, compliqué libanais. Alors, si dans notre propre pays, on est mal à l'aise, et bateau dans Liban, on est plus à l'aise que Bissot, il y a de quoi se reprocher. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Namboka Oyo, Libanais a encore giflé au Mbata. Il y a giflé au Mbata, paye à Bengeli au colonel, et le colonel quitte le bureau, le colonel. Il quitte le bureau, il vient en personne. À Komiwana. Le Libanais va à la relation. N'a pas maman, n'a pas la colonel, n'a pas la capitaine, n'a pas la colonel, il y a la police, n'a pas service, n'a pas. Alors, dites-moi un peu. Lorsqu'un Libanais, un syndicaliste, il y a entreprise, et il se permet quand même, syndicaliste à Zawana, il va tout à Zawana, et puis il attendait deux secondes. Il a dit excellence, Nabino. Abengi na téléphone na ye. Peut poser problème. Abengi na bina ngina mona makambo te. Et l'excellence, la minute qui suit, bon mon téléphone à syndicaliste na Abengi. Qu'est-ce qui se passe? Une autorité appelle le syndicaliste. Bon on a bureau, botika, makambo ke modèle on a. Dites, ce sont des choses qui se passent au Congo. Vous allez m'expliquer à moi que ce pays là va évoluer? Mais non. Vous ne pouvez pas évoluer, vous avez bradé le pays. C'est ainsi que nous disons ceci. La nouvelle administration Oyeye, il faut bailler ba ba erreur ya ba prédécesseur na bango. Ba prédécesseur na bango ba kabaki mboka o ba kabela ki yango. Mboka me mozo kaka o kuna soki o Danny Boy. O Danny Boy. Kaka ba Libanais na ba Libanais. O asala ki bo. Mais c'est pas une république du Liban. Le Congo ce n'est pas une chefferie à Liban. Le Congo ce n'est pas une chefferie à Chine. Le Congo n'est pas une préfecture ya Pakistan. Nous ne pouvons pas subir l'influence de Bango Panabiso. Non. Mais qui protège? C'est l'État congolais. Qui donne le marché aux Congolais? L'État doit apprendre à donner le marché aux Congolais. Faire confiance aux Congolais. Faire des millionnaires au Congo, c'est aussi donner à ces jeunes gens l'opportunité de créer l'entreprise de Bango. Awa. Mais le Congo a une banque commerciale. Sur 14 banques commerciales, aucune banque commerciale n'est congolaise. Aucune banque. Juridiquement, elles sont congolaises, mais elles sont détenues par Batomoussous. Alors, le Colabaza va expatrier. Ne pensez pas qu'ils permettront à un Congolais de créer une banque. Bon, tu as la nengue, monsieur Ledia, Congolais à Ledia, n'est pas un dossier où il y a un dossier où il y a un CEP, où il y a un pétrole, où il y a une station. Vous avez vu comment Ledia est en train de souffrir? Ben, il va souffrir comme ça jusqu'au bout. Mouton côté l'Azaté. Mais c'est un Congolais. C'est un Congolais. À cause de la station T. Nous devons dépendre de Kaka, de la filiale, il y a France, Bengalovaki, ainsi de suite. Tout ça, c'est parce que le Congo n'a pas d'identité. Le Congo n'a pas d'identité. Et c'est ce qui détruit, c'est ce qui nous tue, malheureusement. Il y a un autre moment, il y a un Mboka. Comment voulez-vous dossier le gars Zandou? N'gagne ça la plaisir, hein? Dossier le gars Zandou, tout le cas, par exemple, ah, Nazandou Kuna, bah, il va passer à marcher à Paloukou, mais si m'y t'es, il va passer à mon Pounga, Toboï, parce que mon Moseka, à qui le projet? J'allais aimer. Mais le gars, il est Pounga. Oh, Hassan, ça la qui boy. Oh, Abed, à lui boy. Oh, Kendrick, ça la qui boy. Oh, Maïchi, ça la qui boy. Likambounini, Nabab, oh, Abiso, Yamboka. Quel est ce Congolais qui a construit les marchés en Chine? Regardez dans les marchés chinois, vous comprenez que la plupart des entrepreneurs chinois, Bangomoko, créez vos propres entrepreneurs. Créez vos propres entrepreneurs. C'est un avantage de la Binomoko. Un État devient fort quand il a des entrepreneurs nationaux. Lorsque les finances, l'économie est entre les mains, se trouve entre les mains des nationaux, mes frères, le pays se développe. Mais lorsque l'économie se trouve entre les mains des étrangers, est comme impossible de se développer parce que l'économie est un pouvoir. Ne vous en faites pas, l'économie c'est le cache-sexe du pouvoir. Le jour où l'économie vous quitte, votre pouvoir est nu et il n'est plus important. Voilà pourquoi, parce qu'ils ont des capitaux, ils peuvent nous faire mal. Bah généraux, bah colonel, bah chef et belé à Mboka Nabiso, bah zouaka, bah kota, y a bah entreprise zouana. Bah tout va faire la usine à mapa, bah zobi sabiso bah lobi Christian, magamoli kakuno on dit maté. Totine de la gaba autorité, wala nyon so bah sac à mapa, bah bac à mapa, et un contrat.
Bango va conduire parce que maman pâté, parce que ma soukalité, parce que ma milikité, parce que ma galo côté. Non, pas pour l'état pèse à Bango, t'es. Et là pour ma Libanais wana, ma Indien wana, ma Pakistanais wana, Bango va foutre à Bango Mbongo. On nous a même informé qu'il y a des juges et des procureurs serrés derrière ma biloka modèle wana. Alors, Bande Kolengaï, si vous avez atteint ce niveau-là, mais le pays est détruit de l'intérieur. Et quand j'entends les gens faire des débats, ouf, superficiels, des débats cosmétiques, je me dis, est-ce que ces gens comprennent? Je me dis, est-ce que Bato Azo comprendre? Mboka est koufi, Bandeko. Mboka est koufi. Tokenangana au mot, Mboka Mboué, Tomoni Pena, parquet, Bakomi don de Japon. Donc, il m'a lili Nanzoto. Parquet, don du Japon. Souciat, don du Japon. Loya Kamboko est koufi. Donc, ça dit que Bissot, tout ça, les locaux, ils ont créé Bissot, mon côté. Balabala, la bino pour la bossa, la fond. Banque mondiale. Pour la bino en eau profonde, ceux qui portent en eau profonde, il y a banana, il faut attendre la Banque mondiale. Il faut attendre le FMI. Ok. Bon, pour la curer ma balabala la bino, il faut attendre l'Union européenne et à Roussala. Union. Vous savez pasteur Godé Awa. Après ça, qui chiffre, moi, quand on a bossé, chiffre, on a le baki pour chaque jour, budget à la célébrité par jour. Mes frères, mais c'est une honte. Les communes pouvaient curer la commune. La responsabilité à salubrité, il fallait revenir à la commune. Que chaque commune a curé Bani Inaye. Le problème est, est-ce que la commune voilà, est au côté de Mbongo, il y a l'État convenablement. Est-ce que ça viable? Mais aucune commune n'est pauvre. Il suffit ici de la qualité managériale du bourgmestre. Mais le bourgmestre n'a pas été élu. Le bourgmestre a été nommé. Nommé par un gouverneur qui se comporte comme un gourou. Qui nomme les bourgmestres comme la pire petit naïe. Ma petit naïe. Soit il va recommander. Il y a ma parti politique. Alors ces gens-là ne viennent pas pour régler les questions de la population. Il n'y a pas de pouvoir à Balia. Et il n'y a pas de pouvoir à Balia. Il n'y a pas de pouvoir. Mais ça détruit tout déjà. Ça biaise tout. Oh, rétrocession, mes frères, excusez-moi de vous le dire. Le paradigme de ce pays sont malades. Les paradigmes sont malades. Vous voulez développer le pays? Changez les paradigmes. Changez d'abord les paradigmes. Changeons la structure du pays. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, nous n'avons pas un État. Ne cherchez pas les hommes d'État dans un non-État, ça n'existe pas. Soyons humbles, recommençons. Tobande la makam. On ne perd rien en recommençant les choses. C'est pourquoi nous disons que Félix Tshisekedi ne réussira jamais ce mandat sans des réformes sérieuses. Pas des réformes cosmétiques, pas des réformes d'apparence, pas des réformes pour des réformes, mais des véritables réformes, réfléchies et pensées par les experts. Le mal avec le Congo, c'est que nous voulons faire des réformes, parfois pour le plaisir de faire des réformes. Et, vous savez, quand on dit réforme, ça veut dire une chose qui avait déjà la forme, hein, mais qui a perdu sa forme, ou qui s'est diluée un peu. Voilà pourquoi il faut réformer. C'est-à-dire qu'il faut remettre un état initial d'Ango. Or, quand on remet l'état initial, c'est pour se projeter dans le temps et vivre dans le temps. Mais qui peut voir ces choses-là? Mais il n'y a que des savants. Il n'y a que des experts. Vous voulez réformer l'administration publique, mais n'appelez pas les politiciens, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas réformer. Ne faites pas des excursions comme le pépère des faisait dans le temps. Ben, excursion à coulage des recettes, excursion. Et là, il y a une excursion. Et là, il y a une réforme. Nous n'avons pas eu de réforme, malheureusement. Nous n'avons pas eu de réforme. Toutes les réformes étaient teintées de médiocrité. Maintenant, il faut donner la place aux experts. Pas des experts du PPRD ou des experts du FCC ou des experts d'invité. Il y a ma parti politique, il y a UDPS ou il y a MLC. Non, pas experts Bongo. Des experts indépendants d'esprit. Il n'y a qu'à l'administration. Il y a un parti politique. Vous l'appelez, vous dites, monsieur, vous êtes expert en administration. Dites-nous, quel est le modèle de l'administration Photozoa dans le monde aujourd'hui? Photo copier. Et un modèle à Ningenin. Est-ce qu'il faut inventer un modèle ou il faut copier un bon modèle et l'adapter dans le contexte de la vie? On définit les cadres. On dit non. On ne va pas inventer.
on va copier, mais on va personnaliser. On va copier, mais on va adapter. Ok, c'est quoi les bons modèles de l'administration? Oh non, c'est le modèle belge, puis on estime qu'ils ont un bon modèle d'administration. Oh non, c'est le modèle américain. Oh non, c'est le modèle allemand. On cherche, on dit, on le fait. Bon, le modèle d'infrastructure. Il faut que le modèle d'infrastructure et le modèle ligne. Oh non, le modèle autrichien, tel le modèle allemand, tel le modèle beau, le modèle beau. Oh non, on invente notre propre modèle. On invente notre propre modèle. On invente notre modèle. Mais il faut associer les têtes, les cerveaux. Il ne faut pas adopter, amener les mendiants, pas les petits messieurs, pas les nains scientifiques, pas ces hommes qui parlent français à la télé. Non, pas eux. Ils ne sont pas des experts, c'est des parleurs. Pas eux. Il faut appeler les experts. Même lorsqu'ils sont à l'étranger, foutez-le dans vos billets baya. Même maintenant, dans la province, foutez-le dans vos billets baya et écoutez-le. Lorsqu'un intellectuel a du mal quand on l'interrompt, la sagesse, on ne l'interrompt pas. Quand tu interromps la sagesse, elle se tait. Non, la sagesse ne te dispute pas. La connaissance ne s'enorgueille pas. Lorsque vous appelez les hommes intelligents, lorsque vous appelez les hommes qui connaissent, taisez-vous et écoutez-le parler. C'est tout simplement ça. Mais on est dans un pays où on inverse les choses. C'est les intellectuels, les sages qui viennent écouter les cons parler. Mais non! Dans une société, les cons, ça reste là en bas, ça écoute, ça apprend. À l'époque, on prenait les cons, on les confiait aux sages, et les sages le transformaient en sagesse ou en sage. Mais chez nous, maintenant, c'est l'inverse. Et la catastrophe, c'est lorsque le con se retrouve au sommet du pays, en train de gérer la cité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Congo.